Pour le squat, on va venir prendre la barre avec un écartement des mains légèrement supérieur à la largeur des épaules. On va venir se glisser sous la barre et la positionner au niveau des trapèzes, c'est-à-dire juste en dessous de la petite boule que vous avez dans le cou. À ce moment-là, on va venir décrocher la barre, faire un ou deux pas en arrière. Lorsqu'on est bien en place, on pensera à garder le dos droit en resserrant les omoplates dans le dos. Pensez à avoir un écartement des jambes égal à la largeur du bassin. Les pointes de pied, elles, seront tournées légèrement vers l'extérieur. Enfin, dernière consigne de sécurité, pensez à fixer le regard droit devant vous. Ensuite, on va venir abaisser les fesses comme si vous vouliez vous asseoir sur un banc qui est derrière vous, avec un appui sur les talons. Pensez au fond du mouvement à garder le dos droit et le regard fixé vers l'avant. Pour remonter, rien de plus simple, poussez sur les talons et restez bien toujours droit. On descend et on remonte. Au sommet du mouvement, pensez à garder un angle au niveau des genoux pour les sauvegarder. Pour ce qui est de la respiration, on pensera bien évidemment à inspirer à la descente et à souffler à la montée. On inspire et on souffle.